Le soleil se lève tôt en cette saison, et au fur et à mesure qu'il monte, les pêcheurs de Port-Maubert s'apprêtent au départ. Le sol indécis en cet endroit de la Charente-Maritime se confond avec les eaux de la Gironde, un petit vent frais qui précède la marée descendante agite les roseaux. Les hommes, un à un, gagnent les petites barques à moteur, dont le pilote est protégé des embruns par une curieuse tente de toile. Avant de prendre le large dans l'estuaire, les pêcheurs ont pris un solide petit déjeuner. Au flot descendant, les bateaux partent, sortant du chenal à la rame, avant de faire une quinzaine de kilomètres au moteur pour gagner les lieux de pêche. C'est au milieu de l'estuaire de la Gironde, alors que les eaux douces se mélangent à la mer, que l'on trouve l'esturgeon, qui remonte le courant pour gagner les eaux plus fraîches et douces où il va frayer. Le nom de ce poisson vient de sturgeo, que lui donnaient les Francs, habitants de la Gaule. Cartilagineux, sa peau est grise sur le dos, blanche sur le ventre. C'est un carnassier. Sa chair est assez estimée, mais surtout, c'est la femelle de l'esturgeon qui fournit le fameux caviar. La pêche de l'esturgeon est une entreprise longue, fort longue parfois. D'abord, il s'agit de tomber sur une remontée. Ensuite, ce poisson se fait rare. Peut-être un peu trop pêché, il tend à disparaître de la Gironde. Et bien souvent, les barques regagnent le port sans la moindre prise. Une fois les filets remontés, la flottille rentre avec la marée. Pendant le retour, tandis que le moteur ronronne régulièrement, le pêcheur fait la toilette de sa barque à grande eau. C'est à terre, au milieu d'un cercle de témoins attentifs, que l'on va recueillir le précieux caviar. La quantité d'œufs qu'une femelle d'esturgeon peut fournir dépasse parfois les 10 kilos. Le caviar, qui est pour beaucoup une exclusivité russe ou iranienne, disons entre parenthèses qu'il s'agit là d'œufs de l'espèce dite beluga, le caviar donc semble être connu depuis longtemps en France, puisque Rabelais y fait allusion dans ses œuvres. Les œufs d'esturgeon vont être passés au tamis pour être débarrassés des adhérences, puis très légèrement salés avant d'être mis en boîte. Ces boîtes iront dans des usines spécialisées dans leur conditionnement avant que le caviar puisse parvenir sur la table du gourmet.